Bonjour, bonsoir, bienvenue avec toutes les Madame Fleur. Nous comptons avec vous pour une autre vidéo de pharmacologie. Dans la vidéo, ça, nous parlons de un minéral qui est capable d'aider nous dans le fonctionnement, dans le bon fonctionnement du corps. Nous gagnons les vitamines, nous gagnons les minéraux qui aident nous dans le fonctionnement du corps. Nous n'avons pas besoin de grande quantité. Mais qui est toujours nécessaire pour nous gagner dans le corps parce que vous participez dans un paquet de réactions chimiques ou bien vous favorisez un paquet de réactions chimiques. Supplément ou bien médicament ou bien minéral que nous parlons dans la vidéo, ça c'est magnésium. Donc magnésium, c'est nous connaissons un élément chimique qui est magnésium, qui est comme symbole Mg et qui gagne numéro atomique les 12 et qui est tout le tableau périodique. Maintenant, ça n'a pas consommé, nous gagnons éléments chimiques, ça. Nous gagnons minéral, ça, éléments minéraux. Non, presque et majorité, ça n'a pas consommé. Mais nous gagnons tout en supplément, nous gagnons tout en médicaments. Nous utilisons-les pour un paquet de bagailles dans le corps qui pourrait aider nous à quimber l'homéostasie. Minéral quoi stable. La vidéo ça nous parle ouais qui ça magnésium les représente dans quoi un ensemble de bienfaits que le gagne sous fonctionnement organisme un ensemble de points d'appui dans quatre leçons ça n'a fait généralité pour sous minéral ça qui est le magnésium non n'a pas Wally dans organisme non n'a pas également magnésium quantité magnésium qui gagne dans quoi. Nous avons source magnésium, différentes sources alimentaires. Nous avons complément alimentaire qui a magnésium là-dedans. Et des médicaments qui ont magnésium. Et nous avons carence en magnésium qui ensemble d'affections que carence, ça, qui ensemble de symptômes, carence en magnésium, est capable d'occasionner dans le corps un monde qui n'a pas consommé assez magnésium. Magnésium, c'est un minéral qui est très abondant dans le corps. Il est présent naturellement dans un pile aliments que nous avons consommés. Il est présent dans des produits alimentaires. Il est disponible sous forme de compléments alimentaires et il est présent sous des formes de médicaments. Ça veut dire que nous avons magnésium dans sous plusieurs formes, soit sous forme de produits alimentaires, soit sous forme d'aliments, yon nan aliments nou yo, soit sous forme de compléments alimentaires, ou bien nous gagnons sous forme de médicaments, surtout médicaments qui nan anti, qui c'est des antiacides, ou bien médicaments laxatifs, yon même qui aident nous contre indigestion, contre constipation. Nous jouons magnésium là-dedans. Magnésium, c'est un cofacteur de plus de 300 systèmes enzymatiques. Réguler ensemble de réactions biochimiques que le corps a fait. Il servit de cofacteur, nous utilisons le comme enzyme pour être capable de réguler environ 300 réactions biochimiques qu'a fait dans le corps. Il participe dans la synthèse protéine, il participe dans la fonction musculaire avec fonction nerveuse, il joue le rôle de neurotransmetteur. Comme ça, tout, lui permettre que monsieur est capable de contracter. Plus souvent, les gens font exercice physique. Nous pouvons utiliser un peu de bagaille qui gagne magnésium, des aliments qui gagnent magnésium, bien des compléments alimentaires qui sont riches en magnésium, qui nous permettent que la contraction musculaire est capable de faire plus bien et substance dans le muscle qui connaît que nous gagnons fatigue musculaire pour être capable de sortir dans le muscle et permettre que ou capable de faire plus de temps à faire des travaux physiques. Contrôle de glycémie et régulation de pression artérielle là, magnésium nan li participe là-dedans. Donc magnésium nan c'est un multitâche qui lié, il y a un paquet de bagaille, un paquet de bagaille que le fait dans le corps. Quel rôle magnésium gagne dans le fonctionnement organisme? Magnésium nan li nécessaire pour production d'énergie. J'en ai dit tout à l'heure, pour le muscle est capable de contracter, il faut gagner magnésium, il participe tout dans le message qui a sorti dans le cerveau comme neurotransmetteur, mais pour capable gagner énergie qui produit, il
magnésium nan li participer nan ça li participer tout dans ça relé phosphorylation oxydative et il participer dans décomposition de glucose que relé glycolyse li contribuer à développement structurel de zo c'est ça qui fait nous gagner plus magnésium dans zo yo que dans reste partie dans corps li nécessaire à synthèse de ARN et ADN pour qu'on soit capable de synthétiser ADN pour capable de synthétiser ARN faut li gagner magnésium li participe nous dans antioxydant que relé glutathion magnésium nan li joue un rôle dans transport actif de ions de calcium et ions de potassium à travers membrane cellulaire qui c'est un processus important pour conduction influx nerveux c'est-à-dire message sorti dans cerveau vini dans reste partie dans corps yo magnésium nan li gen rôle pal pour jouer parce que li favoriser transport actif de ions de calcium et de ions de potassium qui c'est un facteur qui permet que gagner et transport des flux nerveux qui fait dans organisme magnésium nan tout li participer j'en nous dit tout à l'heure dans contraction musculaire, li participe tout dans régulation de rythme cardiaque là, li permet que nous gagnions un rythme cardiaque qui normal. Li participe dans régulation glycémie, li participe dans un paquet l'autre bagaille dans corps, li aide nous tout et comme relaxant, li créer énergie, li transformer aliments en énergie, li participe dans formation de protéines, création de nouvelles protéines à partir d'acides aminés, li prend acides aminés, il fait synthèse pour capable former des protéines, li fait ça les maintenance des gènes, c'est ça que fait notre jour, li créer et réparer ADN avec ARN, il participe dans synthèse, li participe dans mouvement musculaire, contraction, relaxation musculaire, li participe dans régulation système nerveux. Donc magnésium là li vraiment vraiment important. Magnésium nan tout li aide nous à faire des exercices. Magnésium li aide nous à déplacer glycémie qui nan muscle, li éliminer ça relé lactate. Lactate là c'est une substance là l'accumule nan muscle li provoquer fatigue. Il y a ensemble étude qui montre que supplément qui riche en magnésium yo yo particulièrement bénéfique pour améliorer performance physique la caille moun qui âgé et la caille moun qui gagne des carences en nutriments ça et gagne une étude qui était faite sur 2570 femmes qui associé à un support élevé de magnésium mais li augmenter masse musculaire moun sa yo avec puissance musculaire. Donc magnésium nan li gagne un paquet fonction dans organisme là, c'est une minéral qui vraiment important pour bon fonctionnement organisme parce que li gon paquet réaction plus que 300 réactions biochimiques que li servi de cofacteur là-dedans. Quantité de magnésium nous gagne dans corps. Dans corps adulte, nous joignons environ 25 g de magnésium. Là-dedans, il y a 50 à 60% qui présent dans zoyo et majorité reste partie li présent dans tissu mouyo. Il y a moins que 1% dans quantité de magnésium qui dans corps qui trouvé dans sérum sanguin. Donc dans sang nous gagnons moins que 1% magnésium. Presque tout magnésium que nous consommons yo y aller stocker dans zoyo. Magnésium nan nous souhaitons qu'il participe dans structure zoa. Pour zoa, il est capable former bien, pour zoa, il est capable gagner une structure qui normale, forme zoa, et ben faut gagner magnésium. C'est ça que fait c'est dans zoa nous presque joindre tout magnésium. Concentration sérique, ça veut dire concentration qui dans sérum sang normal là, il varie entre 0.75 à 0.95 millimol par litre de sang. Donc, yon hypo et magnésémie, li c'est li défini par rapport avec yon taux sérique de magnésium qui est inférieur à 0.75. Immédiatement, taux sérique là, ça veut dire quantité magnésium ou gagne dans sérum sang, li inférieur à 0.75
millimol par litre, mais ça nous parler de hypomagnésémie. Il y a un paquet de bagages qui est capable de faire sous quoi, alors il y a carence en magnésium. L'homéostasie magnésium, non, il est largement contrôlé par rien. Donc, quantité de magnésium qui doit gagner dans le corps, c'est rien qui contrôle. Parce que rien est toujours et excrété généralement environ 120 mg de magnésium dans l'urine par jour. Donc, magnésium qui en plus là, rien toujours éliminé. L'excrétion urinaire là, il va réduire. L'excrétion urinaire de magnésium dans la réduit. Et une fois que le statut de magnésium là, il bas, les gens ont gagné une carence en magnésium, ça a envoyé un message à rien pour faire connaître que il n'y a pas besoin d'éliminer magnésium. Mais rien, de manière naturelle, il élimine environ 120 mg de magnésium dans l'urine que nous baillons chaque jour. Ça veut dire quantité d'urine que nous baillons qui varie entre 2 à 2,5 litres par jour, eh bien, nous gagnons 120 mg de magnésium dans la quantité d'urine ça, qui est contrôlée par rien. Donc, homéostasie magnésium, non? C'est rien qui contrôle l'eltrope li élimine li l'eltrobiti li suspend élimination ça. Je nous te au commencement magnésium nan capable présenter sous différentes formes, soit nous joindre dans sa n'a consommé yo forme alimentaire là, soit nous joindre dans des compléments alimentaires ou bien dans des médicaments. Mais en cas de différentes sources magnésium nan capable et gagner source alimentaire d'abord. Magnésium que nous besoin pour corps, première source que n'a cuisé li c'est dans ça n'a consommé. Magnésium là nous joigne ni dans aliments qui d'origine végétale, aliments qui d'origine minérale et dans boisson yo et aliments qui d'origine animale. Aliments nous joigne yo par exemple nous gagne légumes à faire vertu, nous gagne épinards, légumineuses, nous joigne ni dans noix, nous joigne ni dans et graines, surtout graines entières, yo, yo même yo c'est des bonnes sources de magnésium. Là, consommer éléments ça yo, nous joignons un pile magnésium là-dedans. En général, aliments yo, yo aliments qui gagnent fibres alimentaires yo, donc banane par exemple, yo gagnent un pile magnésium là-dedans. Magnésium dans tout, li également et nous également joignons dans des céréales. Et surtout, céréales nous prend pour petit déjeuner, nous joignons là-dedans et dans l'autre aliment qui enrichit. Ça veut dire des aliments qui n'ont pas de magnésium, mais que nous enrichissons, nous mettons des suppléments alimentaires là-dedans. Il y a quelques types d'aliments qui sont transformés, tels que raffinage de céréales, si nous prenons cornflakes, de manière pour nous capables d'éliminer germes et éliminer. Niche de nutriments qui gagne là-dedans. Donc, ça, aliment, ça, qu'on réduit en teneur de magnésium. Magnésium qui là-dedans, pendant la raffiné, yo qu'on sorti, yo qu'on éliminé, faute taux de magnésium que aliment, ça, yo même, yo te gagne. Nous jouons magnésium dans tout, dans l'eau. Ablie, une zone d'eau, li d'origine minérale, li nan aliment qui d'origine végétale, qu'on sa tout jouons ni, nan rey minéral là. Donc, nan rey minéral là, c'est dans l'eau, nous jouons ni. L'eau que nous gagne dans robinet la kay nou, ou bien l'eau qui nan bouteille là, li capable yon source de magnésium. Mais, quantité de magnésium nan, li varie selon source côté nous prend de l'eau, ou bien mac de l'eau. Li varie de 1 mg par litre jusqu'à 120 mg par litre. Donc, surtout de l'eau minérale, yo. Mais de l'eau minérale, yo, très riche en magnésium. C'est pas de l'eau que nous traitons par osmose inverse, non. C'est de l'eau minérale. Ça veut dire, yo, de l'eau que nous prenons en source, nous seulement filtrer de l'eau, pour nous retirer, quelques impuretés là-dedans, et yo, embouteiller comme ça. Sans yo pas passer dans aucun appareil pour yo traiter. C'est de l'eau que yo prenons en source. Mais de l'eau, ça, yo, yo très riche en magnésium qui varie selon source côté ou prend de l'eau ça. Environ 30 à 40% magnésium alimentaire que nous consommons généralement est absorbé par organisme. Donc dans 100% magnésium que nous consommons dans ça n'a manger yo, il y a 30 à 40% que corps lui-même l'absorbe et reste là
urine li élimine nan urine rien li élimine pa bien entendu c'est rien qui contrôle homéostasie magnésium nan ça veut dire c'est lui même qui permet que quantité magnésium n'a consommé a li rete alors gen on parti qui rete dans organisme nan et gen on reste parti qui élimine chaque jour nan urine. Deuxième source de magnésium que nous gagnons, c'est les compléments alimentaires. Suppléments de magnésium, ils sont disponibles sous diverses formes. Si nous avons une carence en magnésium, eh bien, ça veut dire que nous allons consommer ou pas consommer assez de magnésium. Comme ça, nous sommes capables de prendre des suppléments qui gagnent magnésium là-dedans, qui sont disponibles sous différentes formes. Nous gagnons oxyde de magnésium, nous gagnons citrate. Gagne chlorure de magnésium. Pas nos suppléments fakio qui sous étiquette complément alimentaire, yo déclaré quantité magnésium alimentaire qui nan produit. Yo pas déclaré poids ensemble de composé qui ensemble de magnésium qui gagne dans composé mais yo dit qui quantité magnésium qui gagne dans tel produit bien tel produit. Regardez sous étiquette là, voyez qui quantité magnésium qu'il gagne là-dedans. Absorption de magnésium à partir de différents types de suppléments de magnésium, yo varié de yon supplément à yon autre supplément. Donc, une forme de magnésium qui est capable de dissoudre dans le liquide, qui c'est nous plus absorbé, yo, parce que nous capable prendre avec l'eau, yo capable de dissoudre dans estomac pour y absorber dans l'intestin sous forme qui moins soluble. Nous gagnons des études qui montraient que magnésium qui sous forme de aspartate, citrate, lactate avec chlorure, yo absorbé plus complètement et yo plus biodisponible que oxyde de magnésium avec sulfate de magnésium. Ça veut dire forme de magnésium ça yo qu'on a absorbé yo plus bien. Il absorbe plus là-dedans que l'autre magnésium ça. Et biodisponibilité ça veut dire que quantité et dans principe actif là qui passait dans sang nous. Si nous consommons par exemple 100%, on doit joindre n'importe 70% là-dedans qu'on a absorbé et reste 30% l'éliminer. Donc biodisponibilité magnésium qui sous forme de aspartate, citrate, lactate avec chlorure, les plus et plus élevé que oxyde de magnésium avec sulfate de magnésium. Mais comme complément alimentaire, nous gagnons magnésium qui présent sous différentes formes. Dans l'autre niveau, magnésium nan li capable présent dans des médicaments. Si supplément yo pas suffit, nous sommes capables de prendre des médicaments qui fait à base de magnésium. Magnésium, c'est ingrédient principal dans yon ensemble de médicaments qui relaient laxatifs. Laxatif, yo, c'est des médicaments qui aident nous contre constipation. Ils permettent que digestion li fait plus bien, surtout dans l'intestin grêle avec le gros intestin qui va permettre de lutter contre constipation. Donc, dans les médicaments, ça, yo, nous jouons magnésium là-dedans. Dans Philips Milk of Magnesia, par exemple, il y a 500 mg de magnésium alimentaire qui sous forme d'hydroxyde de magnésium. Donc, nous sommes capables de prendre 500 mg par cuillère de soupe. Instruction est conseillée pour nous prendre jusqu'à 4 cuillères à soupe par jour. Et pour adolescents, valable également pour adultes. Bien que les doses de magnésium non les capables au-dessus de niveau supérieur de sécurité, hein, à partir de magnésium qui absorbe et en raison de effet laxatif médicament. Donc, pas besoin d'inquiéter vos quantités et magnésium qui en plus là, même si vous allez dans niveau supérieur là, qui s'accroît le passé, rien lui-même l'a gagné pour l'éliminer. Va bien l'éliminer environ 120 grammes dans le sac que vous consommez chaque jour. Magnésium nan li également inclus dans un ensemble de remèdes que nous utilisons contre brûlure d'estomac. Lundi nous gagnons acide, donc dans somme acide, nous gagnons et magnésium là-dedans. Nous utilisons surtout pour douleur d'estomac qui résulte de indigestion
d'acide. Donc, le gen yon quantité d'acide qui est élevé dans l'estomac, li ba nou de maux d'estomac, nous kon utilise médicaments qui à base de magnésium, nous capable lutter contre type d'affection ça. Nous gagnons Rolaids extra fort qui c'est un médicament qui fournit environ 55 mg de magnésium alimentaire. Il est sous forme de hydroxyde de magnésium, mais c'est pas comprimé que li. On prend pas comprimé et il permet que alors c'est pas en sirop, nous sommes pour Philips Mark of Magnesia, lui-même c'est 500 mg, mais c'est en sirop. On prend c'est en liquide lié, mais en comprimé, nous gagnons un Rolaids extra fort, lui-même, qui permet que nous lutter contre brûlure d'estomac avec maux d'estomac. À part de participer, que magnésium n'a participé dans l'ensemble de réactions biochimiques à faire le corps, nous, qui permet tout nous lutter contre un ensemble de maladies, surtout des maladies qui sont liées avec digestion, qui sont liées avec système digestif. Le magnésium, dans tout, il permet que nous lutter contre un ensemble de bagages qui sont capables de briser dans le muscle, dans le cerveau, dans un paquet d'autres organes dans le corps. Donc, il est important pour nous capables de consommer magnésium dans l'aliment et dans le consommer. Consommer des aliments qui sont riches en magnésium, mais si toutefois, apport en magnésium, alimentaire là li pas suffit, nous capable prendre des compléments et dans un autre niveau ça capable river et médecin hein li prescrit nous des médicaments qui à base de magnésium. Donc c'est un minéral que nous gagne dans corps qui vraiment important pour bon fonctionnement organisme. Donc carence en magnésium li di a yon faible apport alimentaire de magnésium. Bavle, nous sommes dit wap jwenn magnésium nan sa savon consommer nan aliment wap consommer yo, mais l'on consommer, l'on pas consommer assez aliment qui riche en magnésium, li kapab vin ba ou yon carence symptomatique, c'est-à-dire yon carence qui permet qu'on ou gagne des symptômes et li favoriser kwa a bay des réponses. Réponse sa yo c'est des symptômes. Donc ça arrive la caillon moun qui en bonne santé et qui gagne des reins cap limiter expression urinaire de minéral ça nous gagne également un apport faible ou bien un perte excessive de magnésium la caillon des moun qui en bonne santé ou bien ça capable river tout la caillon moun qui alcoolique donc les moun nan gagne un alcoolisme chronique ça capable éliminer magnésium dans corps c'est vrai on consommer mais et comme si taux d'alcool qui dans sang là et comme si la brûlé quantité magnésium qu'on consomme ou bien utilisation de l'autre médicament qui capable entraîner une carence en magnésium. Premier signe de une carence en magnésium, il paraît par une perte d'appétit. Donc on n'a pas gain appétit, il pas qu'à manger, il qu'on bail mon dans nausée tout, ou qu'on river vomi, il bail vomissement, ou qu'on gagne fatigue et ou qu'on gagne faiblesse tout au fur et à mesure que carence magnésium dans la aggravé ça veut dire souvent si ça qui présenté ou pas prendre quel apport de magnésium pour compenser et carence là et ben les carences commencer aggraver ou pral gagne qu'on y a là engourdissement oublier que les participer dans contraction musculaire donc ou pral commencer engourdi ou ap gen des picotements, ou ap gen des contractions ou bien des crampes musculaires, nous parlons de spasmes musculaires, ou ap gen également des convulsions, ou gen doit gen des crises, ou gen changement de personnalité, ou gen un rythme cardiaque qui anormal, ou gen un spasme coronarien qui arrive dans le cœur et ou gen un paquet l'autre bagage qui capable arriver avec aggravation de carence. Donc carence sévère en magnésium il est capable d'entraîner sa nourrice, yon hypocalcémie et yon hypokaliémie. Ça veut dire ou gen yon faible taux de calcium et de potassium dans sang de manière respective et taux de calcium avec taux de potassium que gen dans sang les diminuer et pas oublier que yon de calcium et yon de potassium yo joue un grand rôle dans contraction musculaire, yo joue un grand rôle tout dans et transmettre message qui sorti dans cerveau pour permettre que monsieur eux-mêmes yo capable
Donc, là, on peut gagner une homéostasie minérale qui a perturbé. Immédiatement que carence, gagne un carence sévère en magnésium, on peut gagner une homéostasie minérale qui a perturbé parce que la diminuer le taux de calcium, la diminuer le taux de potassium qui a gagné dans le sang. Donc, il est important pour nous consommer des aliments qui sont riches en magnésium. Si l'aliment n'est pas suffisant, nous sommes capables de prendre des compléments alimentaire qui permet que nous baillons la quantité de magnésium que le tas doit joindre par jour là qui c'est environ 25 grammes. Donc pas hésiter, posez-nous questions qu'on gagne concernant magnésium et n'appelez-nous à comprendre tout ça qui pas fin clair pour vous. On a des questions ça ensemble. Faut-il parler de magnésium? Les différents rôles magnésium gagne dans l'organisme. Quantité de magnésium normal que un adulte doit gagner. Qui aliment qui riche en magnésium? Sous qui forme magnésium n'a présenté dans complément alimentaire? Qui médicament qui gagne magnésium là-dedans? Qui ça yon carence en magnésium capable provoquer? Pose vidéo a, essayez de répondre question vous contre ensuite rejoignez vidéo a pour capable tendre réponse par nous et comme ça on va comparer avec vous. Magnésium nan c'est un minéral qui abondant en pile dans corps. Il présent naturellement dans en pile aliment, nous joignons ni tout sous forme de complément alimentaire, il présent dans quelques médicaments. Magnésium nan c'est cofacteur de environ 300 systèmes enzymatiques qui là pour réguler un ensemble de réactions biochimiques qu'a fait dans corps. Magnésium nan il gagne il y a un paquet de fonctions dans l'organisme. Mais quelle est la fonction magnésium gagné dans l'organisme? Magnésium réduit le taux de glycémie que nous gagnons dans l'organisme. Magnésium tout aide nous à la production d'énergie. Magnésium participe dans la glycolyse. Il participe dans la phosphorie. Phosphorylation, li contribue à développer structure zoyo, li participe dans synthèse ARN avec ADN. Magnésium nan li joue un rôle tout dans transport actif de ion de calcium et de potassium dans membrane cellulaire yo qui pral favoriser et conduction influx nerveux et contraction musculaire et également un rythme cardiaque qui normal. Quantité magnésium que yon adulte doit gagner c'est environ 25 grammes de magnésium que corps lui-même li besoin. Dans 25 grammes nan gen 60% qui nan zoyo, gagne environ 1% qui nan sang. Mais quel aliment qui riche en magnésium? Nous gagne légumineuses yo, nous gagne feuilles vertes yo tant que épinards. Nous gagnons noix, nous gagnons graines entières, nous gagnons également céréales que nous comprenons dans le petit déjeuner. Et magnésium, nous jouons dans l'eau qui sort dans le robinet, dans l'eau source, mais la quantité de magnésium qui gagne dans l'eau source, là, elle varie et dépendamment de qui source qu'on prend l'eau ça. Magnésium, il est présent sous différentes formes de compléments alimentaire. Nous jouons ni sous forme de oxyde de magnésium, nous jouons ni sous forme de citrate de magnésium. Nous jouons ni également sous forme de aspartate, sous forme de lactate, sous forme de chlorure et sous forme de sulfate de magnésium. C'est sous différentes formes ça yo, nous jouons magnésium dans un complément alimentaire. Médicaments qui gagnent magnésium là-dedans yo, nous gagnent médicament laxatif qui lutte contre qui permet nous lutter contre constipation. Nous joignons également dans sorbe acide, médicament qui bon pour brûlure d'estomac avec maux d'estomac. Carence en magnésium li capable provoquer un paquet de bagages, capable bon nausée, capable bien perte d'appétit, capable bien fatigue, capable bien faiblesse.
Mais les carences ont commencé à aggraver, ça capable ba ou engourdissement, picotement, capable de contraction dans muscle, contraction involontaire, capable de crampe musculaire, convulsion, ou capable de changement de personnalité, ou gagner un rythme cardiaque qui anormal, ou gagner des spasmes coronariens, ou gagner également yon hypocalcémie et yon hypokalémie. Ça veut dire qu'on faible taux de calcium et de potassium dans le sang, ça qui est crucial pour conduction de influx nerveux, qui est crucial tout pour contraction musculaire. Donc, c'est vraiment important dans l'alimentation nous pour nous consommer un peu de magnésium qui permet que nous capables de faire la quantité de magnésium que le besoin pour fonctionner, de façon pour ne pas gagner une carence symptomatique qui va permettre que nous gagnions tous les symptômes que nous sommes cités là. Je vous remercie pour l'attention. Nous vous retrouvons une autre fois pour une autre vidéo de Pharmacologie.